Hey yo tout le monde, c'est Kylian, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Monster Hunter Rise. Donc la dernière fois on s'était attaqué au Puke Puke, au Barrios. Et suite à ces deux quêtes, nous avons débloqué la quête urgente qui est de chasser le Magna Malo. Du coup son élément lui c'est le dragon, ce qui explique que j'ai une nouvelle armure. Du coup je vais tout de suite vous montrer ses stats. Du coup vu que son... Comment dire, l'élément du Magna Malo, c'est le dragon. Je suis une armure résistante au dragon. Comme vous pouvez le voir, j'ai 13 de résistance, 121 de défense physique. Donc, je suis très bien. La faiblesse du Magna Malo, c'est l'eau et la foudre. Du coup, j'ai pris les doubles lames du Kedu, qui ont un élément foudre et paralysie. Et voilà, j'espère que la quête va bien se passer. j'espère. Ce serait cool quand même. Parce que, voilà quoi, c'est l'air d'être un monstre assez compliqué à battre, quoi, le Magna Malo, quoi. C'est le monstre emblème du jeu. Du coup, on va tout de suite le voir, hein, avec une belle cinématique. Bête infernale, Magna Malo. Bon bah rip hein, le Toby Kadashi. Rip le petit Toby Kadashi. Il faut que je baisse la luminosité. Voilà. Après je pense qu'elle va se remettre automatiquement. Donc, Alors nous avons l'Acnosum. Oh putain, il y a l'Acnosum. Oh, je vais vous montrer un truc. Les gars, s'il y a l'Acnosum et le Magna Malo dans la même game, je vais vous montrer un truc. Hop, je vous montre un truc assez insane. Il est où mon chien? Ok, là. Du coup, faut que j'aille voir l'Acnosum pour aller à côté du Magna Malo. C'est pour ça que j'ai pris une sandrelle. Vous voyez en bas à droite. J'ai une sandrelle dans mon inventaire. C'est pour attirer l'Acnosum vers le Magna Malo. Vous allez comprendre pourquoi. Mais ça en vaut la peine. Allez. Ok, nickel. Vous allez voir. Et voilà la Magna Malo. Qu'est-ce qu'il nous fait? Wesh, mais il est où? Ah non, mais c'est barré là-bas. Ok, bon. Allez. Ok, nickel. Vas-y. Allez, mais battez-vous. Je veux pas se battre. Bon. Bon bah. J'ai raté ce que je voulais faire. Mais normalement, ils étaient censés se battre.
Ils étaient censés se battre. Enfin, peut-être que là, pour l'instant, c'est pas disponible. Ouais, il fait flipper comme monstre. Il fait vraiment peur. Bon, par contre, j'ai vraiment le seum. Je voulais vous montrer un truc, mais ça a fail. Je vais me le prendre. Ouais. Oh. Putain, mais mec, il va pas me laisser monter sur le rang aussi, okay, donc. Je pense que ça va être un combat assez compliqué. Il m'a mis un coup. Ok, finition montée. Allez. Ok. Il va commencer à rentrer dans sa phase de rage. Ouah, heureusement que je ne me suis pas pris cette attaque parce qu'elle fait très mal. Je vais avoir besoin de beaucoup beaucoup de potions dans ce combat. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ouah, mais maigre, il fait beaucoup trop mal. Je connais pas ses points faibles non plus, du coup c'est un peu chiant. Donc j'ai 10 en plus. Ça va être très long. Ok, il s'en va. Ok, je suis pas bien. Oui. Oh nickel. Oh là là, nickel. Il l'a bien enchaîné là. Si on va pouvoir aller lui monter dessus, c'est parfait. Il y a la Knossom. Faut que je me bats. Faut pas qu'il nous suive. Et c'est bon, il a pas l'air de nous suivre. C'est parfait. Un peu là. Oh, paralysé. On lui a pété quelque chose. Ok, ouais, bon, là, il est pas content. Oh non, il va commencer son attaque suprême, là. Là, il est vénère. Il est vénère, ouais. Tout doux. Je suis mort, j'ai plus de l'opère. Je ne sais pas où je suis. Mais gros, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il fait que de me suivre. C'est beaucoup trop compliqué.
Oui. Je comprends rien à ces attaques, je sais pas où c'est ses points faibles. Point faible, c'est la tête, j'ai l'impression. J'ai de la chance. Il est fatigué, je crois. Ouais, nickel. C'est parfait. Il est où mon chien? Récupère un filet de fer. Je vais prendre ça. J'ai esquivé ça, moi, vraiment. Ok, nice. Ce que je viens d'éviter, mec. Oh, trop stylé, mec. Trop stylé ce que je viens de faire. Là, mec, je crois qu'il est vraiment vénère. Oh, il est tombé. Putain, mais... Partie détruite, nice. Partie détruite, nice. Oh, mais non, déjà. Non, c'est pas possible, mec. Attends, on l'a battu en moins de 10 minutes. Mais non. Non, non, non. À mon avis, il y aura d'autres affrontements avec lui parce que, mec, là, c'était trop simple. C'était beaucoup trop simple. À mon avis, il va y avoir d'autres combats avec lui, je pense. Mais gros, c'était beaucoup trop simple. C'était... Non, non, mec, c'était beaucoup trop simple, je vous jure. À mon avis, il y aura d'autres combats contre lui. Moi, je pensais que le combat, gros, il allait durer quoi, une demi-heure, hein. Mais bah non, ça, quand... ça a duré 10 minutes. Bon, c'est parfait. Ouais, mec, c'est pas possible, gros, il y aura certainement d'autres affrontements, je pense. Parce que là, c'était trop simple. C'était beaucoup trop simple. Ok, ok. Bon. Après, je vais pas m'en plaindre, hein, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On l'a battu en 9 minutes 30. Ok. Putain, la vache, mais gros, mais j'en suis étonné de la rapidité à laquelle on l'a faite. À laquelle on l'a fait. C'est insane. Ok, ok. Petite cinématique. Shoot.
Ah d'accord, donc c'est déjà fini. Oh non, le let's play, il doit pas être fini maintenant. Non, non, le let's play, il est pas fini maintenant, les gars, vous inquiétez pas. Il nous reste encore plein de quêtes à faire. Bon, on va le passer parce que bon, c'est un peu chiant. Sauf si on va le passer. Ok, voilà. Bon, bah voilà quoi, on a battu le monstre, on a épée transmise. Ok. Bon, alors on va aller voir les quêtes qu'on a à faire. À mon avis, ça sera des trucs genre Rathalos, Zinog, Nargacuga, des trucs comme ça, je pense. Des monstres bien bien chauds à battre. 5 étoiles. Ah bah voilà, Nargacuga, Zinog, Anjanas. Ah, enfin, lui je l'attendais lui. Midonsune, Rathalos le fameux. Non, on l'a fait. Kedju et Somnakant. Kuluyaku et Anjanas. Ok, ok. Il n'y a que 4 quêtes clés à faire. Ok, ok. Bah, les quêtes clés sont ici. Rathalos, Midonsune, Anjanas. Zinog et Nargacuga. Ok, ok. Il y a encore pas mal de quêtes pour nous occuper. Regardez l'armure du Magna Malo. Bon, même si on l'a déjà vu dans la démo. Voilà. Ah non, c'est pas la même que dans la démo. Elle a 28 de défense. Ok, ok. Les armes aussi, ça m'intéresse. Magna Malo, Magna Malo. Ah, ici. Ouais, c'est quoi, mec, ce tranchant vert de la mort? Attends, vous ne voyez pas, mais l'attaque du 130, elle est en tranchant vert assez grand, ok. Je peux pas me la faire, il manque encore pas mal de trucs. Ok, donc ce qui est pour le katana aussi, on l'a déjà vu dans dans la démo. Bah, je peux améliorer mon katana. Je peux améliorer mon katana. Tac. Bon, hop. On va le faire. Voilà. Ça, c'est fait. Ok, ok. Magna Malo. Voilà. Ok, ok. Les doubles lames. Je peux améliorer mes doubles lames de la Gombi. C'est parti. Hop. Magna Malo. Ok, c'est ici. Ouais, ça a l'air grave stylé. Ok, ok. Eh ben. Déjà, regardez si je peux pas améliorer quand même d'autres armes. Peut-être une grande épée. Non, bon. Bon, voilà les gars, cet épisode est fini. On a réussi quand même à chasser le Magna Malo, je suis content. En plus, on l'a fait sans mourir, donc ça m'étonne un peu. Du coup, on se retrouve dans le prochain épisode. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo et surtout à vous abonner. Et sur ce, ciao.